à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans un nouveau retour de course. Donc là c'est le Claire Drive. Donc on commence de suite. N'oubliez pas de laisser un pouce et un commentaire et de vous abonner. En attendant, je vous présente mon petit retour de course. Donc des yaourts au lait de soja vanille, comme je vous avais dit dans un ancien vlog, n'hésitez pas à aller voir le vlog qui est là ou là-bas. Aucune idée, on verra bien. J'arrête le lait parce que j'ai beaucoup trop d'allergies et donc voilà, je repasse au lait de soja. Donc ça c'était très bien, il y avait une promo dessus. Pour ma fille, elle a jamais eu trop de lait de vache, sauf son lait en poudre. Donc des yaourts au lait de brebis. Des yaourts au lait de brebis aussi, mais celui-ci, cela à la vanille, voilà, pareil, il y avait une super promo, je ne les ai jamais vus en magasin, ou alors je ne me suis pas penchée sur la question, j'ai tout sorti, ça ira mieux. Donc des yaourts au lait de soja, mais cela au chocolat, voilà, ils vont assez loin, je viens de voir, il y en a un le avril, c'est nickel, parce que les yaourts en fait au lait de soja se conservent mieux que les yaourts normaux, quoi, au lait normal, et cela au caramel qui sont très bons. J'en avais déjà pris la dernière fois. Après, du jus de fruits pour le matin. J'adore celui-ci. C'est orange, mandarine, raisin. Je pense que je l'ai pris parce qu'il y avait une promo. Sinon, je ne prends pas ce genre de choses. Je trouve que c'est quand même très cher pour ce que c'est, quoi, en fait. Voilà. Après, des petites griottines comme ça de poulet. J'en ai pris deux. C'est parfait, quand on arrive, on n'a pas le temps. À chaque fois, vous allez me voir en gros plan parce que je vais poser. J'essaye de m'organiser différemment. On verra bien. En plus, là, la qualité, normalement, elle est meilleure pour vous. Des haricots verts, parce qu'à Lidl, il n'y en avait plus. Des petits haricots verts comme ça, bio. J'ai pris comme ça parce que je trouve que les autres que j'avais pris l'autre fois, pas bio, ils n'étaient pas terribles. Alors... Si c'est parce que c'est bio ou pas bio, on verra bien. Du petit persil et ail comme ça, ciselé, je me suis dit c'est sympa. Parce que je crois bien que j'ai terminé mon sachet de persil que j'avais fait pousser moi-même. Parce qu'au bout de... Pardon. Avant l'hiver, je le prends, je le coupe et je le congèle. Et je crois bien que là, je l'ai terminé. Des petits carrés frais comme ça. Peut-être pour ma fille ou pour mon mari, je verrai bien. Des fois, elle aime bien que je lui fasse une tartine, une cracotte de maïs. Elle aime bien que je lui mette du fromage, des petites tomates, des petits cornichons. Voilà, je lui fais une petite tartine comme ça. Et là, il y avait une promo sur le carré frais. Après, pareil, en fait, tout ce que je prends normalement chez Leclerc, je prends les promos en cours et je prends l'eau, le coca... l'eau, le coca, souvent les couches parce qu'il y a des promos, voilà. Là, du jambon pour mon mari pour ses sandwichs, des blancs de dinde pareil, non c'est des blancs de poulet pareil pour le mari. Il y avait des promos donc j'ai pris, et en plus c'est des sans nitrites. Là c'est de la dinde et là c'est du rôti de poulet, voilà. Sinon, je prends jamais Herta parce que je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Et en plus, de toute façon, Leclerc font une gamme sans nitrite pour le jambon. Mais vu que là, c'est pour mon mari, on s'en fout un peu s'il y a du nitrite. De la nitrite, du nitrite, je ne sais pas si c'est féminin ou masculin. Alors là, il y avait une promo sur les knackis. Alors normalement, j'en achète pas souvent. Mais en fait, je me suis rendu compte que je me prenais trop la tête pour les repas de ma fille. Je lui fais tous les midis un repas pour elle et pour moi, quoi, parce qu'elle mange pareil que nous, en fait. Tous les matins, elle a un repas, tous les soirs, elle a un autre, je change. Elle n'a jamais deux fois la même chose. Et là, comme vous aurez vu dans un ancien vlog, non, vous ne l'aurez pas encore vu, là, je me relâche un peu parce que, mon mari m'a dit « t'en fais trop, tu te casses trop la tête », donc voilà. Donc j'ai pris, il y avait la promo sur les Herta sans nitrite aussi, je viens de voir. Donc les par 6, donc ça c'est bien parce que c'est vrai que par 12, je les utilise pas par 12. Je suis obligée toujours de faire des petits rouleaux à la saucisse en plus.
Mais voilà, par 12, donc il y avait, c'était deux paquets achetés, un offert, et j'ai pu prendre au végétal. Blé, œuf et pois. Je crois bien que je les ai déjà testés. C'est pas les meilleures compositions, mais voilà. Une fois de temps en temps, je pense que ça fait du mal à personne. Je range ça et j'arrive. Donc, après, il y avait pareil, promo, toujours sur les trésors de Kellogg's au chocolat noir. Ça, c'est mon mari qui va être content. Et toi aussi, je vais passer toi. Je t'ai aspiré ta voiture. Merci. Au choco noisette. Je lui ai pris tous les goûts qui existaient. Et au lait. Et c'est des énormes paquets en plus. Hein. Ils font combien de grammes ceux-là? 750 grammes. Et c'était de acheter un offert. Après, on prend tout le temps les grosses bonbonnes comme ça de la L'Accueil. En 5 litres. Alors à savoir, la L'Accueil, c'est la seule eau que ma fille tolère très bien, parce qu'elle avait des soucis comme tous les nourrissons de constipation, et il y a celle-là qui régule parfaitement son transit, et nous, elle nous plaît aussi. Donc on prend souvent, on est de l'eau de montagne en fait, qui est très très bonne, et elle est faite pour les enfants, hein, c'est bien marqué, et normalement il n'y a pas beaucoup de magnésium en fait, parce que le magnésium constipe de toute façon. Voilà, très très bien, j'en ai pris 5 packs. Faut basculer le siège devant, toi. Ben oui, merci. Il y a un sachet, ouais. Il y a un sachet devant qu'il faut rentrer aussi. D'accord, ok. Ça merci. Et donc là, et on en met aussi dans le réservoir du frigo en fait. Comme ça, parce que notre frigo c'est un réservoir, il n'est pas branché directement. Je vais poser ça, c'est lourd hein. Il n'est pas directement branché à l'eau courante, parce qu'en fait on a choisi ça, vraiment c'était réfléchi. Ah, tu m'as fait peur, ça va? Oui. Ah d'accord. Non, c'est parce que son petit bonhomme tombe, c'est pour ça qu'elle... Elle a la patience de sa mère. Donc oui, notre frigo n'est pas relié à l'eau courante, parce que l'eau courante est très calcaire. Donc on a décidé de ne pas prendre de frigo comme ça. Et on met de l'eau en bonbonne qui n'est pas très chère. Je ne sais plus combien. En plus, je n'ai pas le ticket vu que c'est le drive. Je pense que c'est pas plus d'un euro les 5 litres. Hein. Si je ne m'abuse. J'ai pris des couches comme ça. On ne les a jamais... Wouh! À chaque fois, je fais tomber un truc, de toute façon. Il y en a une qui m'a dit qu'il était vivant. Ouais, même les couches sont vivantes. Des couches comme ça, on les a jamais testées. On verra bien. Elles étaient en promo aussi. Je crois bien que j'ai payé 10 euros le truc de 66 couches. Je pense que ça va. Des pâtes à lasagne de chez Barilla, ou du sucre Barilla. Voilà, pareil, en promo, très très bien. Je vais les laisser là parce que ça va ici. Des tagliatelles. Voilà. Barilla aussi, aux œufs frais. Alors à chaque fois que je prenais des pâtes sur le drive, ben après, le temps de valider mon panier, il n'y avait plus les pâtes. Jeudi soir, et il me disait que je pouvais aller le retirer que lundi. Il n'y avait plus de place. Donc j'ai attendu vendredi matin, j'ai vu, j'ai réactualisé à chaque fois, et apparemment ils ont dû se désister les gens, et j'ai eu une place, et là samedi, donc un jour après, normalement c'est 2 heures après quoi. Là j'étais hallucinée. Et puis le jeune m'a dit que c'est vrai qu'ils sont débordés, ils manquent d'effectifs et tout. Il est super sympa ce jeune en plus. Alors on continue avec des napolitains. C'est très bon les napolitains. Hein. Personne va me dire que c'est pas bon. C'est très bon, ça fait un petit goûter sympa. Des filets de sardines, pareil, c'est en promo, j'en ai profité pour en reprendre. C'est toujours bien d'en avoir dans ses placards. Des pâtes comme ça, moi je les adore, celles-là tricolores. Alors je sais pas si c'est vraiment à la carotte, aux épinards et je sais pas quoi.
Ouais, il y a marqué aromatisé. Aromatisé à la tomate. C'est pas la carotte, c'est la tomate. Aux épinards. Et au blé, quoi, je suis bête. pareil, promo sur le Colgate. Donc, je le prends que quand il est en promo. Voilà, ça nous dure longtemps. C'est très très bon. Promo sur les tablettes Sun. Ça sent bon, hein. Format familial, il y en a 60. Ça allait, c'était pas très cher. Je crois bien que c'était 4 euros et quelques. Donc ça va. J'ai pris 2 briques de lait de soja. Voilà, tout ça pour arrêter le lait de vache. Des pop-corn comme ça, sucrés. Je sais pas s'ils sont meilleurs que ceux de La Farfouille. À savoir, La Farfouille, je sais pas si dans toutes les farfouilles ça y est. Maintenant, ils vendent magasin vers les caisses. Ils vendent tout ce qui est apéritif, pop-corn et des produits américains tels que le fluff, les jelly beans, les jelly billy, un truc comme ça, les Reese's, voilà. Et ils vendent notamment des pop-corn qui sont très très bons, qui ressemblent vraiment au pop-corn du cinéma. Le paquet est plus gros, je ne sais. Oui, il est plus gros. Il fait sûrement celui-là deux fois. Il fait 200 grammes sûrement. Il est à pas plus d'un euro, mais je sais même pas si c'est pas 66 centimes ou 89 centimes. Bref. Et ils sont très bons. Je vais voir, mais vu que j'ai pas le temps de passer à La Farfouille, il faut aller dans une autre ville et tout. Donc bon, je me suis dit, on va essayer cela. Ceux-là sont chers, hein, très chers. 1,66€. Truc comme ça. C'est après en mettant mon caddie, je me suis dit mince, c'est 100 grammes en fait. Voilà, bref. Donc comme ça, des petits pains à panini, tout ça pour faire un truc facile quoi, à la presse, le week-end et tout. J'ai pris ça, je sais pas ce que c'est. J'ai pris ça pour mon mari. J'ai pris ça pour mon mari. C'est au parmesan et au jambon cru, voilà, Barilla aussi, pareil parce qu'il y avait la promo. Harris, donc x2, 100% mie pour faire des croque-monsieur. Voilà, alors normalement je préfère le prendre sans sucre ajouté, mais franchement quand il y a la promo, je m'embête pas. Je m'embête pas et je prends ça parce qu'en plus, vu que je fais les sandwichs pour mon mari, bon il y a dont 7 grammes de sucre pour 100 grammes. Alors ça va, mais quand je fais les sandwichs pour mon mari, ça part à une vitesse terrible le pain de mie. J'ai des nœuds. Ça t'apprendra à te brosser les cheveux. Et pour finir, des Monster Munch comme ça, pareil, promo. Et dans la gamelle de mon mari, ça sera très bien. Je lui mettrai dans un petit sac congélation. Voilà, je pense que c'est fini. Donc je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me laisser un pouce et un commentaire. Ciao !